Alors je vais vous expliquer une deuxième technique pour se décharger, qui est aussi efficace, mais par contre il faut faire gaffe au lieu où on le fait. C'est-à-dire, je m'explique, là où je suis, le lieu n'est pas adéquat, parce que je sais que dessous il y a un courant d'eau qui passe et qui est plutôt négatif, donc je ne veux pas le faire, mais je vous explique. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est prendre un abac, donc une planche de radiesthésie, donc avec le, comme j'ai fait voir dans mes vidéos, vous prenez un abac. Vous demandez le taux énergétique, donc vous prenez sur la BAC le taux énergétique du lieu. Donc bon, ici j'en ai pas sous la main, donc je peux pas vous faire voir. Mais donc je sais qu'ici on va être à zéro, donc il faut pas le faire à cet endroit là. Donc vous cherchez un lieu où le taux vibratoire est assez élevé, donc au-delà de 6500, au moins pour vous recharger. Et vous allez vous coucher au sol, dos au sol, mains et pieds, pieds nus contre le sol, en fait les paumes des pieds, si on peut dire, le dessous de pied sous le posé au sol, et les mains à plat. Et vous allez demander à ce que renvoyez vos énergies négatives à la terre. Donc vous pouvez faire ça donc sur un lieu positif, par contre là, ne faites pas sur un lieu négatif parce que ça pourrait faire l'effet inverse et voire pire. Donc vous faites ceci, vous fermez les yeux, vous demandez à ce que l'énergie négative parte au sol, donc la terre-mère. Et à ce moment-là, vous allez sentir vraiment, si vous vous concentrez en fermant les yeux, qu'il y a vraiment quelque chose qui sort de vous par vos mains et par vos pieds qui repart au sol. Et après, de vous recharger, donc vous allez ressentir quelque chose qui vous emplit de, pas de joie, mais d'énergie positive. Voilà, et une fois que vous êtes, ben vous sentez bien, vous respirez bien profondément et vous relevez, vous allez voir que si vous avez capté quelque chose de négatif, ça va aller beaucoup mieux après, voire carrément mieux.